Tout le monde a peut-être entendu parler de l'art de tâter le pouls à l'aide d'un fil de soie dans la médecine chinoise antique. De nos jours, on peut toujours assister à un spectacle de marionnettes à fil. Des acteurs de marionnettes font imiter aux marionnettes à travers les fils, dont le nombre peut s'élever jusqu'à plusieurs dizaines, divers mouvements humains compliqués. Cet art qui se transmet depuis un millier d'années s'appelle l'art d'animation des pantins suspendus. C'est une petite ville retirée, le chef-lieu d'un district, situé au nord-est du Fujian. Ce sont des marionnettes d'une beauté époustouflante datant de la dynastie des Qing. Faisant partie du folklore, elles subsistent opiniâtrement dans cette région assez repliée sur elle-même. De nos jours, nous voyons rarement des marionnettes pareilles. Le théâtre de marionnettes était appelé dans l'Antiquité le théâtre de pantins. Étant à l'origine de tous les théâtres, il naquit sous la dynastie des Han, se développa sous la dynastie des Trang et connut son âge d'or sous la dynastie des Song. Dans l'ancien livre des Trang, les Annales de la musique, il a été rapporté ceci au sujet du théâtre de Pantin. Les Pantins étaient à l'origine des figurines funéraires. Le théâtre de Pantin fit son apparition vers la fin de la dynastie des Han. D'après ces usages qui se transmettaient, nous nous rendons compte que le théâtre de marionnettes était doté d'un statut hautement placé. On l'appelait aussi le grand frère des autres théâtres, car ceux-ci se sont inspirés de sa méthodologie et de ses techniques. Cela démontre aussi l'ancienneté du théâtre de marionnettes. Dans de nombreuses régions du Fujian, on ne pouvait se passer de théâtre de marionnettes à l'occasion de fêtes et d'heureux événements. On faisait jouer un spectacle de marionnettes en quête d'un bébé, d'une fortune, d'une longue vie ou d'une promotion hiérarchique. C'est pourquoi on donnait souvent des spectacles de marionnettes mythologiques dans le temps. C'était des prêtres taoïstes qui, pour la circonstance, animaient les marionnettes. C'était là une croyance toute naturelle et une activité folklorique des gens du peuple. En raison de cela, ce théâtre a pu se transmettre, être protégé et respire la vitalité. Avec la diversification continue de la vie culturelle dans la société moderne, les arts du théâtre traditionnel s'estompent petit à petit. Ce sont des marionnettes datant des dynasties des Ming et des Qing. Personne ne sait plus les animer dans ce village. Elles sont défectueuses à cause d'une mauvaise conservation. Peut-être on risque de ne plus trouver de traces du théâtre de marionnettes à la campagne dans un proche avenir. En ville, la théorie de la survie du mieux adapté prévaut. Le théâtre de marionnettes à fil de Quanzhou divorce graduellement d'avec les folklores à cause de la commercialisation pour satisfaire la demande des spectateurs. Il se développe sur les plans récréatifs, techniques et esthétiques. Les techniques de manipulation deviennent de plus en plus difficiles. Le nombre de fils de manipulation est compris entre 7 au début et une vingtaine, voire 36. Cela signifie que chaque doigt doit contrôler en moyenne 3 ou 4 fils simultanément, sans compter une plaquette d'attache de fil que l'artiste tient avec une main. On peut imaginer la difficulté rencontrée pour manier et animer.
Parmi les métiers d'art transmis jusqu'à présent, le théâtre de marionnettes à fil est sans doute le plus original et le plus compliqué. Il comprend la fabrication de marionnettes, la mise en place des fils d'animation, l'animation proprement dite, et voire la musique. Ces divers éléments sont liés. L'art de la fabrication des marionnettes en est le plus important maillon, et la condition sine qua non. Quant à la technique d'interprétation, elle est décisive. C'est pourquoi l'acteur doit participer à la fabrication des marionnettes. C'est là l'intérêt de ce métier. Cette pièce, on l'appelle la cage ou le corps de la marionnette. Pour réduire son poids, l'intérieur doit être vide. Avant, il était fait de bambou, et de nos jours, de fils métalliques enveloppés de papier, pour être à la fois résistant et anti-rouille. Le corps est divisé en deux parties, représentant le thorax et la cavité pelvienne de l'homme. On passe maintenant à la fabrication des jambes de la marionnette. Dans le passé, c'était des jambes en jute tressées, donc incapables de se plier ou de s'étendre. À présent, les cuisses et les jambes sont séparées les unes des autres. Elles peuvent être articulées et capables d'effectuer des mouvements très compliqués, comme les membres humains. Cette amélioration est apparemment simple, mais en réalité, elle est le fruit des efforts de plusieurs générations d'acteurs marionnettistes.你要演现代戏，一个最大的特点，你要模仿人。因为一个木偶，他眼睛比脸上脸表情，你就是气的，他也是笑嘻嘻。你要演出一只调，他也是笑嘻嘻。所以你要用形体，用动作，这就是传统跟改革以后的东西一个最大的比较。因为这不是一言一语能够说清楚了。做一种比较，传统的是神似，我的说唱。 L'habillement contribue à la parure, comme on dit. Cela veut dire que l'accoutrement est très important pour le théâtre de marionnettes, car les spectateurs, ne pouvant voir la structure de la marionnette, rivent leur regard sur son costume somptueux. C'est pour cette raison que les marionnettes doivent être magnifiquement parées. Maître Lin est le transmetteur représentatif de la deuxième génération du théâtre de marionnettes à fil de Quanzhou. Il aime parler de son apprentissage.当时是在六十年代初，是五十年代尾，就一句话：穷，家里穷，没办法为了一口饭吃，那就得来学木偶。刚好泉州木偶剧团呢招有一批，他们就上了半个月的时间了，我就来插班。进来他们已经住满了，就分配我跟老师傅住在一起。 但是跟师父呢住在一起有一个很好，师父年纪大人说人老话多，树老根多，好多讲话，就是我的记忆当中好多讲话就是那个时候来的。学了一个阶段要排戏，睡到一半，我的师父姓赖，叫赖德亮，他有一种夜游的习惯，晚上他自己起来走路他不知道，睡到半夜的时候他就起来起来练功，把木偶放下来。 叫我去练功，当时小孩子是师父叫我练功，我怎么敢不练呢？要睡觉又不敢睡，不睡觉小孩子又会打瞌睡，这么就演了一只调。等到第二次要起来小便，看到我在说你神经病了。
半夜练什么功啊？嚯，赶紧摸瞧起来，马上一睡，马上就睡着了。在这一个阶段呢，有一点好处，白天练的东西，有时候他起来练的，我就把白天练的东西晚上再过洗一遍，所以这是小时候打下一种基础。衣服穿好了以后呢，就我们有一句行话，整个木安装好不好，就关键到你表演的好不好。木安装不好了，你的结构就不好，再好的功夫也演不出好的角色。所以你这个做起来，我动作配备才会跟上去。所以这个木偶的结构是非常非常的重要。有几条线啊？那么多？对，29条。为什么29条呢？是咱们以前有表演过的，知道它是29条。但是一装一个木偶，关键你要什么动作加什么线，要整个木偶装起来才知道它有多少根线，而不是有多少根线我再来穿的。哦，没有。写边寒窗。La tête et le visage sont plus importants que la morphologie du corps. Car lorsqu'on connaît quelqu'un, on connaît son visage, comme on dit. Pour une marionnette, son visage est le plus important repère distinctif enregistreur du bon ou du mauvais, du beau ou du laid, donc le plus attrayant pour les spectateurs. Le masque est aussi révélateur de l'esprit et de la pensée du personnage. En Chine, l'art de la marionnette comprend au niveau national la prestation et la sculpture de la tête de la marionnette. Il n'y a plus de grands maîtres versés à la fois dans l'animation et la sculpture dans la troupe théâtrale de marionnettes à fil de Quanzhou. Maître Lin et son collaborateur Maître Huang coopèrent depuis une dizaine d'années. La sculpture de la tête d'une marionnette commence par un banal bloc de bois. Le meilleur bois provient d'une nouvelle branche d'un camphrier séculaire. C'est du bois souple qui se fissure difficilement. Avant d'entamer la sculpture proprement dite, on doit tracer les contours de l'ébauche sur le morceau de bois sélectionné, dont la face lisse sera consacrée au visage. La taille de l'ébauche, apparemment facile, est en fait l'opération la plus difficile de la sculpture d'une tête de marionnette, comme le soubassement d'un gratte-ciel. En raison de cela, la taille de l'ébauche est la dernière technique à enseigner dans l'apprentissage de la sculpture de marionnette. 哦、那你现在做的是下部分，意思是其中的一部分，其中一部分，中间这部分。那这个眼睛要另外做，嘴巴要另外做，然后再把它组装起来，起来是这样。包装一样大。那应该是木偶头的这个制作里面算比较难的，是吗？技术量比较高的，技术含量。Le sculpteur a dans son cœur un croquis ou un modèle d'une tête de marionnette. Il compte sur son habileté et sa connaissance du bois pour tailler à bon escient, sans pouvoir retoucher.Il est plus facile de voir broder que de broder. Une telle dextérité provient des expériences accumulées pendant plusieurs dizaines d'années. En fait, la sculpture de la tête de la marionnette ne cesse de s'améliorer pour répondre aux besoins de la prestation. De nos jours, les têtes de marionnettes sont vides pour loger un mécanisme de mise en marche. La tête est assemblée de 3 parties, le crâne, le visage et le menton. Oh, 弹簧，那学问大着呢，没那么简单。对对对。
L'art de sculpture de la tête de la marionnette de Quanzhou se développe et s'améliore depuis plusieurs générations. Les têtes de marionnettes sculptées sont génialement raffinées et équipées chacune d'un mécanisme de mise en marche. Le matériau de qualité utilisé et la finesse du travail garantiront une longue conservation. Ce sont des opérations fastidieuses et onéreuses en temps. Pour fabriquer une marionnette utilisable pendant 100 ans, on doit parfaire tous les détails. On passe au finissage maintenant. Il consiste à finaliser et à mettre au point la forme et l'expression du visage de la tête de marionnette. On est maintenant à l'étape de la mise en couleur, comme le maquillage des comédiens. Les marionnettes sont petites et les spectateurs doivent les admirer de loin. La mise en couleur vise à mettre en évidence leurs yeux, leur nez et leur bouche, ainsi que leur front, leurs pommettes et leur mâchoire inférieure. La corrélation entre ces composantes est décisive pour la forme et l'expression du visage, les complexes et la prestation des marionnettes. Le visage d'une marionnette doit faire figurer de façon évidente le caractère du personnage qu'elle représente.人都是胖胖的，眼这个眉毛都是很细，它有固定的36尊，它的木头有将近50个，因为沿着木年系呢都多了十几个，在36个的基础上多了十几个，但是随着节目的方便，随着剧情的要求的话就不一样了，它就要求要有现代的，所以它现代就接近的现代的东西，接近的精细。 Dans la société d'aujourd'hui, le concept de divertissement a changé. La morphologie des marionnettes et la méthode d'interprétation sont davantage personnalisées. La moustache, faite de poils de bœuf résistants qu'on peut plastifier, est destinée à illustrer le caractère du personnage. Théoriquement, la fabrication de la tête de la marionnette est la plus difficile, car on fait tout pour la prestation. Les relations entre le contrôle des fils et la plastique sont difficiles à gérer. On doit rendre l'animation facile tout en tenant compte de l'esthétique de la mise en scène. La mise en place des fils des marionnettes à fils de Quanzhou est réglementée de façon détaillée aujourd'hui, mais elle reste la plus compliquée des étapes de création. Elle ne se fait pas une fois pour toutes. Le mécanisme de contrôle des fils devra être défait et refait d'innombrables fois dans les représentations ultérieures. Cela suppose une combinaison du souffle créateur et de l'ingéniosité des artistes avec leur savoir-faire et leurs expériences acquises dans la pratique. On crée une bonne marionnette en la démontant maintes fois, disent les gens de métier.
一抓上去线就来了。所以呢，这几根线都是靠平常练功，这几根线的位置装在哪里？这有一个新改革的线，就这一两条。哎，这个什么机关？这个眼睛一眨一眨，嘴巴一张一合。哦，上面一按，这个嘴巴就动。这个不好练，这个是你看，就这个指头放这里，这一个拇指要控制这里。这个还要一个，这个小指还要把这个线拿起来。这个拇指要控制眼睛跟嘴巴。哎，你看眼睛一眨一眨，哎，眼睛一眨一眨，嘴巴一张一合，一张一合。Voilà, ce sont les relations entre le fil et la marionnette. C'est par là que l'artiste marionnettiste donne de la vie à sa marionnette. Ce dont nous nous soucions le plus, c'est la transmission de cet art si raffiné.那现在你有收学生吗？有，有三四个学生，现在还是重新我的记者。哦。还有个儿子，他到艺校读表演，然后还回来跟我做雕刻，做了两三年，他现在也会雕刻。现在可以说我儿子是最年轻的，雕刻还表演的是最年轻，雕刻是最年轻的。像他那个年纪，现在都不，人家都不学了。要重新提到这行业，这种不，这种现在重新这个传承的问题，如现在年轻人不要说这种其他的手工业，他是不想学。L'école des beaux-arts de Quanzhou et l'école supérieure des beaux-arts de Shanghai donnent des cours sur l'animation de marionnettes et recrutent chaque année des étudiants dans cette spécialité. Cependant, la transmission d'un art n'est pas limitée à l'apprentissage de certaines techniques. Elle est axée notamment sur la persévérance et l'indéfectibilité dont font preuve les artistes vétérans. Un véritable art est celui qui transcende la technique. L'ingéniosité des marionnettes à fil consiste à rendre invisible le visible. Les spectateurs négligent souvent ces fils bien visibles. Ces fils, qui donnent vie aux marionnettes, sont visibles, mais ils sont invisibles dans le cœur de chaque spectateur. Stop!